Espérons qu'on va revoir Ghost dans cet épisode. Non mais j'ai clairement hâte. Bon bah, comme étant donné que je me suis entraîné, que Noah n'est pas le go jusqu'au niveau 40, et bah je vais faire, pour vous faire plaisir, je vais faire deux niveaux. Bah ouais. Et salut tout le monde, c'est Tutour l'Esprit. Aujourd'hui on se retrouve avec Clonoa Heroes et... Ouais, j'aurais dû dire ça. Enfin bref, d'après ce que je m'en souviens lors des derniers épisodes, j'ai pas tué des monstres comme à peu près de la même manière que dans un Undertale. Je les ai juste épargnés. Parce pourquoi? Pas parce que Guns, il était complètement faible. Là, cette fois, on va pas faire la même chose que dans un Undertale. Là, cette fois, on fera pas pitié, là. Je vais surtout me venger, tiens. J'ai changé d'arme encore une fois. Et je reprends l'arme habituelle de Clonoa. La bague. Enfin, moi, ça m'a manqué, hein. Oui, notez qu'il y a quand même encore de nouveaux ennemis. Comme par exemple ce chien là, ce que vous voyez là, qui ressemble à un chien. Je sais pas si ça ressemble à un chien ou un cochon. Enfin bref, c'est... Il est explosif. C'est-à-dire que si on ne tue pas à temps, et bah risque de s'exploser. Donc là, ça va, c'était assez facile. Évidemment, il faudrait chercher une clé. C'était assez facile. Tiens, voici les robots géants. Comme ils m'ont manqué. Façon ionique. Oh putain! Et on est à 3 minutes et j'ai réussi à franchir deux étapes. Là on est à la troisième. Oh mais... oui, parce que même si... mon personnage est de niveau 40. Il se fasse un plus gros dégât que prévu. Fais chier. Mais fiche-moi la paix du con. Ah, et voyez-vous ça? Il voudrait chercher un clé en or. Je me demande si lui ne serait pas plus. Bah non, ce serait trop facile. C'est parti pour la chasse au monstre. Oh
Pour le moment, j'ai pas encore trouvé de clé en argent, voire même encore clé en or. Évidemment, je peux pas changer de personnage parce qu'en fait, on s'est séparés. Non, 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 pas de copie, mais c'est juste on se sépare pour trouver Lolo, c'est ça. Évidemment, un gros robot méchant. En fait, dans cet épisode, je n'ai même pas besoin de les inventer, en fait. Je n'ai qu'à les ignorer. Comme vous pouvez constater, je gagne plus beaucoup d'expérience parce que mon personnage est de niveau 40, parce que plus on progresse le personnage, moins l'expérience augmente. Comme dans chaque RPG, dans le jeu RPG en fait. Évidemment, au cas des monstres n'ont une seule clé. Non. Et voilà la clé en argent. Et fais-moi mal, tu vas voir, je vais recevoir la plus grosse raclée que tu n'auras jamais eu, que tu n'auras jamais, enfin que tu auras eu de toute ta vie. Pas facile de parler quand on joue, hein. Je m'y attendais tellement pas à ce qui est en clé en argent. J'y ai déjà joué, mais je m'en rappelle plus du tout à ce qu'il fallait faire. Évidemment, ça continue. Je me demande, ça me ramène combien d'expérience si je le tue. Ah, pas beaucoup, hein. Raté. Évidemment, aucun de n'a la clé. C'est l'épisode où on se rend compte qu'en fait il suffit pas de tuer les monstres et que les clés étaient cachées. Que le moindre monstre est et voilà, et c'est fini pour la première étape. 9 minutes, et ben c'était plutôt court, mine de rien. Comme promis, on va se refaire, on va se faire un troisième niveau avec pour la qu'est-ce qui se passait.
Mais enfin bref, comme je vous l'ai dit, maintenant on va passer avec Palgo. Je sais pas ce qu'est-ce que c'est, mais j'ai l'impression d'avoir obtenu quelque chose de spécial. Et c'est parti! Bon, allons-y! Oui, ça c'est l'arme ultime, c'est l'arme de Palgo. En fait, ce que vous voyez là, eh ben, c'est une bombe, mais sauf qu'il a des pics. Est-ce que ça lui offre des dégâts? Beaucoup de dégâts? Bah ouais. Oula, raté. Lucky, ouais, Lucky. Évidemment, il voudrait chercher la clé. Mais pas mal. Ok, là ça sert à rien. Alors, je vais prendre ce chemin parce que c'est la seule dont j'ai pas pris pour le moment, je sais pas. Ça, je dis rien. Ok, donc il faut encore chercher une clé. Ah non! Ah, soulagement. Attends. Alors,
Il y a une nouvelle arme, il y a un nouvel vêtement de Pango. Est-ce que non, ça sert à rien en fait. Vous voyez, parce que sa baisse de d'agilité et l'agilité, j'en ai besoin. Et ouais. Évidemment, une clé. Non, évidemment. Un cul-de-sac. Parce que nous, les cul-de-sac, on les adore. Ou pas. Non. C'est exactement le même endroit dans... Oh non, pitié. Ah. Bon, où est-ce qu'il est, la clé? Est-ce que c'est lui qui... Non, évidemment, c'est pas lui. Attends, il était là depuis le début. Tu fiches un peu du moins, c'est ça? Enfin, heureusement j'ai la clé, donc on peut continuer. Oh non! En fait, je suis un peu fier de moi parce que... À aucun moment j'ai essayé de tricher. Oui, à aucun moment. Une fois, lors de mon, lorsque j'ai joué pour la première fois, j'ai utilisé le save list. Et là, bah là, par contre, je me suis préparé et je suis très fier de moi en fait, parce que. Parce que il fallait qu'un jour il y en ait un qui s'entraîne, puis affronter ce niveau. Parce que il faut pas surtout oublier que ce jeu a de la compose aussi du stratégique. Quand t'es coincé dans un jeu ou quand tu es dans la merde, eh ben tu retournes dans le niveau. Où tu as gagné beaucoup plus d'expérience. Et voilà. Ça donne ça. De personnages super puissants qui sont indestructibles que même... je sais pas, moi... que même Mewtwo ne fera pas le poids. Allez... Raté. Ok, c'est pas par là. Est-ce que c'est par là au moins? Évidemment, c'est pas par là.
Il est là. C'est très simple. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de prendre ce chemin. Puis y aller à gauche. Alors, y'a quoi là? Un trésor. C'est mieux que rien. Et c'est pas fini, évidemment. Et pourtant, on est qu'à 21 minutes de cette vidéo. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est d'ignorer les monstres, puis continuer la route sans aucun problème. Évidemment. J'ai vu à 10 km qu'il y avait une clé en argent. Ça par contre non. La clé en or. Et voilà, fin du niveau. Oh, je suis bien content. Non. Encore? Mais qu'est-ce qu'il a obtenu Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, pas lui. Ah, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai comme un mauvais pressentiment. Attends. Attends, je vais voir un petit truc là. Si Guts serait... Attends. Et voilà, les retrouvailles. Enfin, ouais. Hein? Oh! Guts! Tout est de retour. Oh là, dis-moi que... Oh, oh oui. Oh, ils font ensemble pour les entendre, ça c'est bien. Il est devenu en bronze, le médaille de Konoha. Oh, c'est cool. Oh, yeah. Oh, yes.
Bonne nouvelle, Guts est de retour dans notre équipe. Mauvaise nouvelle, c'est qu'il est au niveau 30. Mais bon, c'est la joie. Ça, c'est une véritable joie. Bon ben, ce fut une très belle fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, surtout avec le retour de Guns. Et surtout, n'hésitez pas à continuer à regarder la série, ça pourrait toujours faire plaisir. Sur ce, ciao ciao.